Bonjour. On cumule les sujets du même sujet. R21 qui arrive. Vous l'aviez vu au salon de l'auto avec nous et maintenant elle arrive au musée. Alors c'est marrant, on voit qu'elle était rouge avant. C'est bel et bien une de celles du premier bal perdu et surtout c'est la voiture de Patrick Chirac dans Camping. Donc cette bagnole elle a eu 3 vies déjà, ça c'est incroyable. Tu savais que ça c'est celle de Patrick Chirac dans Camping qu'ils ont réutilisé, mec? Non. Si. La vitre, si on voit pas, dis-moi ce qui marche pas. Non, dis-moi plutôt ce qui marche pas. Le démarreur qui marche. En tout cas, t'es pas comme Charlie. Bah, t'es en prise à l'avant. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? La planche à pain. Un petit air de retour vers le futur quand même, hein. Je pourrais pas dire. Parfait. Non, c'est le savoir-faire. Ferrari, Lamborghini, je mets les rampes qui sont là-bas en plus. Alors, vos émotions, monsieur Galiègue? Elle est fermée. Ah, ok. Bon, pour une première conduite? Dans le coffre. Les broches. Ouais. Elles sont dans les. Ouais, c'est bon. Je me souviens. Hop, elle est ouverte. Pareil, ah, qui marche. C'est vraiment du cinéma. Ah, les broches, elles sont là-dedans. Voilà. Ouais, c'est bien fichu. Voilà. Okay. Les deux éperons sont dedans. Allez. Il m'a dit que celle-là, elle a tourné dans le film aussi. Dans le, film, ouais. Dans le premier, quand il bricole. Ah, sans son pare-buff, elle a moins de gueule hein, tout de suite. Ah, avec le pare-buff. Bon, c'est bon, on a trouvé, faut faire ça en fait. Non, faut faire ça. Voilà. Allez, on va lui rendre quand même son plus bel attribut. Si on y arrive. Attends, je suis pas dedans moi. À mon avis, il faut forcer. Ouais, voilà, faut être bien droit.
puis après c'est un coup de latte je pense pour finir de le rentrer. Je pense que c'est un coup de latte. On l'a peut-être mis à l'envers. Je crois que oui, on l'a mis à l'envers. Ça rentre beaucoup mieux quand on le met dans le bon sens. Voilà. On va pouvoir rebrancher les câbles dessus. Voilà, toute logique. Voilà, c'est bon, c'est dedans. Quand il a besoin, après il vient foutre les grosses fourches à l'avant électriques. Je pense qu'on va les mettre aussi, ça fera joli. Juste pas qu'on oublie si on roule avec qu'on n'a pas vissé le pare-buffle. Ça, je vois bien le truc arriver. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Movie Car Central pour de nouvelles aventures, de nouvelles réparations de voitures, parce que ça y est, on a